Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala jami' ikhwanihi an-nabiyyin. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد يا إخوة الإيمان أو mes chers frères et sœurs de foi, الله عز وجل dit dans le Coran honoré: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ça veut dire: dit Mohammed, amenez votre preuve si vraiment vous êtes véridique. Donc nous, on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que nous soyons au nombre des gens qui sont véridiques, et on espère cela, Incha'Allahu Azza wa Jal. Et les savants, comme le grand mujtahid Abdullah ibn Mubarak, a dit: Al-isnadu min ad-din, wa lawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Al-isnadu min ad-dini, wa lawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Ça veut dire que la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas eu la chaîne de transmission et de qui tu prends la science et tes références, tout ça, bah chacun il pourrait dire ce qu'il veut dans la religion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une courte assemblée pour expliquer de manière concise et vous exposer certaines de nos sources que j'utilise pour faire les cours, les ouvrages de référence que j'utilise afin de mettre en place les cours que je vous donne. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je suis parti dans les pays du Cham, je suis parti en Syrie avant la guerre, donc c'était il y a plus de 10 ans. Je suis parti également en Arabie, à la Mecque, à Médine. Et j'ai eu beaucoup d'enseignants qui m'ont donné des cours, que ce soit des enseignants d'origine syrienne, des gens qui ont étudié en Égypte à l'Azhar, des gens qui ont étudié dans des universités indonésiennes. Moi, je n'ai pas étudié à l'Azhar, mais certains de mes chouyours, de mes enseignants, sont des gens qui ont été diplômés de l'Azhar. Également, j'ai eu certains enseignants qui étaient d'Arabie Saoudite, comme un enseignant qui s'appelait Ramadan al-Hijazi, du Hijaz, donc c'était un arabe du Hijaz. Et d'autres enseignants également d'origine syrienne ou autre, et également aussi sénégalaises. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe à lire et à écrire avec des Sénégalais mourides, des élèves de Cheikh Ahmed Bamba, rahimahullah. Donc j'ai appris dans l'écriture marocaine que je vous avais déjà montré dans des cours précédents, donc cette écriture-là, des livres qui sont connus au Sénégal ou ailleurs, hein, cette écriture du Maroc. J'ai appris l'arabe dans cette écriture-là, et après je suis parti à l'étranger pour apprendre la religion dans la langue arabe. Donc comme vous le savez, la science de la religion se divise en plusieurs sciences. La meilleure des sciences, c'est la science de la croyance du tawhid. Donc dans le tawhid, j'ai appris selon, bien sûr, l'école de l'Ash'ari et al-Maturidi, qui sont al-Sunna wal-Jamara en entier, auxquels se réfèrent tous les savants du Salaf, qui résument la croyance du Salaf, comme le livre de l'Aqidat Tahawiyya. Donc ça, c'est un livre de référence que j'utilise souvent dans les cours, comme vous le savez. Le livre du savant du Salaf qui est décédé au 4e siècle de l'Hégire et qui a vécu dans le 3e siècle de l'Hégire, qu'on appelait Abu Ja'far Ahmad ibn Salama al-Waraq al-Tahawi. Donc j'utilise beaucoup son livre et le commentaire de son livre. Et également la croyance d'An-Nasafi, l'Aqida al-Nasafiya, donc il y a un livre également des savants du passé qui résume la croyance d'Al-Sunna wal-Jamara. Et également, j'ai pris dans le Fiqh Maliki, dans Ad-Durri Thamin,
Comme vous le savez, du savant Al-Mayyar Al-Maliki, dans l'explication du matin de Ibn Rajhir. Donc, comme on a dit, fi aqdi ash'ari wa fiqh maliki wa fi taliqati al-junayd as-saliki, comme il a dit Ibn Rajhir, dans la croyance de l'imam al-ash'ari, Abul Hasan al-ash'ari, et dans le fiqh de l'imam Malik ibn Anas, et selon la voie de al-junayd as-salik, le grand savant, le grand chef des soufis, al-junayd al-baghdadi. Donc également, j'ai pris un peu dans la science du soufisme de certains savants qui sont connus au Yémen, dans des ouvrages de certains savants connus du Yémen. Donc moi, j'ai pris dans la croyance, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer, également dans la science du fiqh, j'ai pris dans, donc comme on a dit, Dorou Famine, dans l'école de l'imam Malik, dans l'école de Malik, à Dorou Famine. Donc ça, c'est dans l'explication du matin d'Ibn Rajhir. Donc j'ai pris dans ce livre. Également dans le livre qu'on fait en ce moment sur la chaîne Le Mukhtasar Al-Akhdari. D'accord? Donc ça parle jusqu'à la fin du chapitre de la prière, globalement. Également, j'ai pris dans le fiqh Shafi'i. Donc des Mukhtasars connus comme le Mukhtasar Al-Muqaddima Al-Hadramiyya du grand savant yéménite Bafadol, qui est très connu au Yémen, donc c'est son ouvrage à lui, et ça rassemble la plupart des sujets à connaître dans le fiqh. Également, j'ai pris dans le livre Fethel Wahhab, vous avez vu, il y a les feuilles dedans, parce que comme je me sers beaucoup de ces livres pour préparer les cours, donc il y a pas mal de choses dedans. Donc c'est des livres, bien sûr, comme vous pouvez le voir, on ne s'est pas contenté de les acheter au marché et les lire tout seul. C'est des livres qu'on a lus avec des gens de science, avec des savants, et ils nous les ont expliqués. Et du coup, on a écrit dans les marges, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai appris la religion en arabe, j'ai pas appris la religion en français. Mais comme j'ai eu la chance d'apprendre bien le français et après d'apprendre bien l'arabe également avec des enseignants dignes de confiance, quand je donne cours, je traduis directement du français à partir des ouvrages que j'ai étudiés. Donc il y a des gens qui pourraient s'imaginer que j'ai appris la religion en français, mais j'ai appris en arabe. Mais après, je retranscris, je retraduis tout lors des cours en français. Également dans les livres connus Shafirite, j'ai pris le livre de Ibn Qasim al-Razi, le commentaire de le Matan al-Raya wa al-Taqrib du Qadi Abu Shuja. Donc j'ai pris plusieurs commentaires de ce livre-là. Donc parmi eux, le commentaire pour les 8 ans de al-Razi, Ibn Qasim. Également, ça c'est un ouvrage qui est aussi enseigné l'Azhar. Donc c'est le livre qui est An-Nihaya de Waliyuddin al-Basir al-Shafiri, qui était un savant aveugle, mais qui a dicté son livre, comme vous voyez. Donc ça, c'est les premiers livres que j'ai étudiés, également dans les pays du Cham. Et c'est un livre aussi qui est enseigné à l'Azhar, et certains enseignants, comme je vous ai dit, ils ont aussi étudié à l'Azhar en Égypte. Donc ça, c'est parmi les ouvrages que j'ai pris dans le Firq Shafiri. Également le livre Tuhfatut Tullab de Zakaria Al-Ansari, qui est le même auteur de ce livre-là. Également, j'ai pris dans Minhaj al-Talibin de Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Donc, ça, c'est, vous avez vu toutes mes références. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils demandent de quel savant tu prends, etc. Bon, alhamdoulilah, dans le salaf et les savants du passé, il y a eu des grands savants. Leurs ouvrages sont encore existants. Après, les choyots dont on prend la religion ne sont pas tous connus dans le monde entier, mais nous retransmettent la science qu'on a eue par transmission, par héritage des savants du passé. Et donc moi, je préfère pour les cours me baser que sur les savants du passé, les références connues dans tous les pays musulmans, que ce soit au Maghreb ou en Indonésie ou dans les pays du Cham ou en Arabie. Et donc j'ai pas de spécialement de références d'érudits aujourd'hui, autres que les chouyours qui retransmettent ces livres-là, qui sont les livres du passé et qui sont les meilleures références parce qu'elles ont fait leurs preuves au travers des pays musulmans et du monde arabe depuis des siècles. Et c'est les livres qu'on étudie depuis des siècles. Donc ça, le livre que je viens de prendre là, c'est le livre de Tafsir d'An-Nasafi, qui est également enseigné à l'Azhar. Donc c'est parmi les livres, alhamdoulilah, que j'ai eu la chance de prendre en entier. Donc c'est un tafsir qui est ni trop court ni trop long du Coran. Et c'est d'un savant donc, qui s'appelle An-Nasafi, qui est autre que le savant qui a écrit l'Aqidah An-Nasafiyya. C'était un savant hanafite. Mais après, dans les fondements de la croyance, tout ça, et dans l'explication du Coran, que la personne soit hanafite, malikite, etc., ça va pas changer les fondements de la croyance ou l'explication du Coran, si ce n'est les sujets relatifs au fiqh.
Donc dedans, il explique pour les ayahs concernant les jugements du fiqh, souvent dans l'école hanafite, mais après, il détaille également qu'est-ce qu'ils ont dit les chafirites et qu'est-ce qu'ils ont dit les malikites. Donc ça, l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il n'est pas très gros. Bon, alors, il y a deux volumes, chacun il fait 1000 pages, et donc chacun des volumes, ça rassemble l'explication du Coran, bien sûr, et donc c'est plus facile à étudier. C'est pour ça qu'Al-Azhar aussi, ils enseignaient ce livre-là, parce que ça permet en pas trop d'années de terminer l'explication du Coran. Après, j'ai pris d'autres tafsirs moins connus et plus concis, qui sont des tafsirs de juz, il n'y a pas tout le Coran, mais de certaines parties du Coran. Également, j'ai pris dans la science de la langue arabe, parce que sans la langue arabe, bien sûr, on ne peut pas comprendre tout livre de religion ni le tafsir, sachant que le tafsir est beaucoup fondé également dans l'explication des versets sur al-balagha, la rhétorique, et également sur le sorf et le nahou, c'est-à-dire le nahou, c'est la grammaire arabe, et le sorf, c'est la science des déclinaisons des mots. Donc certains y traduiraient par conjugaison, mais en réalité, c'est encore plus vaste que la conjugaison, parce que ça touche à la sémantique des mots, à la construction des noms, des adjectifs, etc. Donc j'ai pris parmi les ouvrages connus dans la science du sorf, c'est Shadh al-Arf. Donc ça, c'est un livre connu dans la science du sorf qu'on a étudié également avec les gens de science dans la langue arabe. Donc c'est un livre qui est du savant Ahmad al-Hamlaoui, qui est un savant qui est reconnu dans tous les pays musulmans pour la qualité de son ouvrage, et en particulier cet ouvrage-là, Shadh al-Arf, qui a été reconnu à Azhar et dans plein de pays musulmans comme étant un ouvrage de référence pour la langue arabe. Et bien sûr, ce n'est pas un livre qui date d'aujourd'hui, mais c'était un livre également des savants du passé. Également, parmi les livres connus, bah, j'ai commencé comme tout débutant qui apprend la langue arabe auprès des gens de science. Je ne parle pas des gens qui apprennent tout seuls et qui sont enseignants. Al-Ajurumiyya de Ibn al-Ajurum. Donc j'ai pris le matan et j'ai pris deux commentaires dessus. Le premier, pour un débutant, c'était le commentaire du savant malikite connu, qui est Al-Makoudi Al-Fasi, donc le savant de Fès, Al-Makoudi, qui est un savant très connu, qui a expliqué plusieurs livres de grammaire, dont Al-Jumia. Après, j'ai repris avec le commentaire du mufti Shafirite de La Mecque et de Médine à son époque, qui est le grand savant Zain Dahlan, qui était il y a plusieurs siècles en arrière. Et lui, il a fait également un commentaire d'Al-Jumia. Également, il y a le livre dans la science de la grammaire, Turfatu al-Ahbab, ou dans l'explication de Mulhat al-Irab. Donc ça, c'est du grand savant al-Hariri, qui est connu aussi dans vos pays, je pense. Donc c'est des vers de poésie et qui ont été expliqués également par les savants. Donc j'ai pris le commentaire de ce livre-là, Mulhat al-Irab. Également, j'ai pris le précis connu dans la science du Nahou, qui est Al-Mutamima, Al-Ajurumiyya. Donc c'est Al-Mutamima, qui est un livre connu qui complète le livre d'Al-Ajurumiyya. Donc j'ai pris dans ce livre aussi. Également, parmi les livres de référence en langue arabe, en grammaire, on a cité Qatan Nadab al-Ustada, qui a été expliqué par Ibn Hisham Al-Ansari, qui est parmi les grands savants de la grammaire arabe. Donc on a pris ce livre également dans les pays du Cham avec les gens de science, donc le Matan et l'explication. Également, il y a le livre, le commentaire de Alfiyat Ibn Malik. Donc, moi, j'ai choisi le commentaire de Ibn Raqil, qui est un livre qui est plus détaillé. Alors, le Makoudi qu'on a cité tout à l'heure, lui, il a fait un commentaire également plus concis, plus court de Alfiyat Ibn Malik. Et moi, le livre dans lequel j'ai pris, c'était dans le livre de Ibn Raqil. Également, donc on a cité la science du tafsir, on a cité également la science du nahw et du sorf, et il y a également la science du hadith. Donc la science du hadith, c'est important de savoir qu'elle est de deux catégories. Il y a deux pans principaux dans la science du hadith. Il y a ilmu al-hadith, yani diraya et riwaya. Donc le premier pan, c'est riwaya, ça veut dire le relatement des hadiths, comment on rapporte les hadiths. Donc ça, c'est constitué à prendre ce qu'on appelle les moutons du hadith, c'est-à-dire de prendre par transmission auprès des savants du hadith, par lecture ou par ouïe, transmission orale, on lit avec lui le savant tous les hadiths du prophète alayhi salam rapportés dans les ouvrages avec leur chaîne de transmission. Donc moi, j'ai eu la chance de prendre dans les pays du Cham, dans la science du hadith, donc Arim Riwaya,
dans le Sahih d'Al-Bukhari, qui est connu, comme vous le savez. Donc ça, c'est le livre que j'avais, cette édition-là. Également, j'ai pris dans le Sahih de Muslim. Donc pareil, le Sahih de Muslim. Donc là, dans le cadre de la science riwaya, c'est-à-dire lire les hadiths avec leur chaîne de transmission. Et j'ai reçu quelques explications également de la part des chouyours qui m'ont transmis le hadith. Donc, au début, tous les papiers, bon, c'est parce que c'est des ouvrages que je prends, comme vous le savez, dans les cours souvent en référence. Donc, souvent, je suis amené à faire des recherches dedans, à retrouver les hadiths que je mémorise certains d'entre eux. Et donc, je les retrouve pour les reciter. Donc, ça, c'est dans la science du hadith. Riwaya, j'ai pris beaucoup de livres de hadith. Également, j'ai pris dans l'Iyad al-Salihin de Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. J'ai pris également de certains recueils de hadiths qui traitent du soufisme. Également, dans certains recueils de hadiths, comme Makarim al-Akhlaq de al-Tabarani, dans les hadiths relatifs au comportement. Également, dans l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, qui est un recueil de hadiths également sur le comportement, les hadiths relatifs à cela. Également, j'ai pris dans les livres de hadith sur le dhikr et les paroles rapportées du prophète pour la protection, comme Dar al-Falah de l'imam As-Suyuti, et d'autres ouvrages beaucoup, comme par exemple aussi Ummahat al-Mu'minin Daniel al-Barid dans le livre concernant les épouses du prophète du grand Hafiz Ibn Rasakir, qui a d'ailleurs aussi écrit le livre de croyance de l'épître d'Ibn Rasakir qu'on a également pris par transmission. Également, j'ai pris plusieurs livres de hadith, également Mukhtasar ibn Abi Jamra, qui est le résumé du Sahih d'Al-Bukhari, également Makarim al-Akhlaq, qu'on l'a cité, Shamail al-Muhammadiyya, du grand imam At-Tirmidhi, également, c'est parmi les livres qu'on a étudiés en langue arabe, qui sont les hadiths rapportés sur le comportement du prophète, salam. Également, Bulugh al-Maram, du savant Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un livre de hadith concernant le fiqh, qui sont donc classés par les différents chapitres de fiqh et les preuves que les savants mujtahid ont utilisées dans l'école de Shafi'i ou autres concernant les différents sujets de la religion, et d'autres ouvrages dans la science du hadith. Donc ça, c'est je vais passer tous les livres, on va pas mettre toute la bibliothèque devant vous, mais c'est les livres qu'on a pris par transmission orale auprès des chouyours, auprès des savants de la science du hadith. Par transmission orale, c'est parmi les livres qu'on a pris. Donc ça, c'est le premier pan de la science du hadith. Et après, le deuxième pan, c'est ilm daraya, ce qu'on appelle également la science du mustalah. Donc la science du mustalah, c'est la science qui permet de pouvoir juger les hadiths, comment un hadith il est sahih, comment il est hasan, comment il est mutawatir, c'est quoi le hadith qui est gharib, celui qui a été rapporté par un seul compagnon, ou aziz, par deux compagnons, ou mashhour, qui est trois personnes qui rapportent de trois compagnons, etc. Les hadiths maudour, les hadiths, différents types de hadiths qui sont faibles, hadiths mordal, hadiths mursal, les hadiths dont il manque un tabiri dans la chaîne de transmission, ou si c'est il manque un maillon de la chaîne, etc. Ça étudie en fait la chaîne de transmission, ce qu'on appelle la sanad, al-isnad, ce qu'on a cité au début du cours. C'est ce qui permet de remonter jusqu'au matan du hadith, c'est-à-dire jusqu'au texte même du hadith. Donc c'est la science qui permet au hafiz, au grand savant du hadith, de juger la fiabilité des hadiths en fonction des caractéristiques des gens qui les rapportent et les conditions de Muslim, d'Al-Bukhari, etc. Quelles conditions ils ont adoptées, Al-Hakim dans le Mustadrak et l'Imam Ahmed, etc. Les chaînes de transmission, ça étudie ça en fait. Donc ça, c'est la science qu'on appelle le Mustalah et ce qu'on appelle aussi Ilm Daraya. Donc comment savoir juger les hadiths. Donc là également, j'ai pris plusieurs ouvrages, dont des ouvrages très connus comme Al-Bayquniya, donc le vers de poésie, le Qasida al-Bayquniya, avec le commentaire. Également le livre de Ibn Hajar al-Asqalani qui s'appelle Nukhbatul Fikr. Le livre connu de Ibn Hajar al-Asqalani qui est Nukhbatul Fikr, qui est un livre qui reprend les thèmes également abordés dans le livre de Al-Bayquniya. Également le livre de Nawawi qui est At-Taysir, Taqrib At-Taysir, fi ma'rifati Sunani al-Bashir al-Nadhir. Donc c'est un livre également qui traite de la science du mustalah. Donc ça, c'est parmi les livres également qu'on a étudiés en entier dans la science du hadith, qu'on appelle l'ilm daraya. Donc ça, c'est parmi les sciences du hadith. Également, il y a la science du tajwid. Donc j'ai pris dans le commentaire du Muqaddimah al-Jazariya, du grand savant al-Jazari, qui est un livre très connu, donc un livre de poésie. Et également le commentaire, également le livre connu aussi,
pour les débutants qu'on appelle Tuhfatul Atfal de Al-Jumzouri. Et donc ça c'est un livre connu dans la science du tajwid. Et d'autres ouvrages aussi qui sont moins connus, mais qui sont également versés dans cette science-là. Également, j'ai pris plusieurs ouvrages, donc que ça soit dans le Fiqh Shafi'i comme le Hawid al-Qazwini. Également, j'ai pris, donc c'est un matin qui est long, d'accord, ça que j'ai en deux livres, Hawid al-Qazwini, d'accord, que j'ai pris avec un certain genre de science. Et donc, j'ai pris également dans ce qu'on appelle Qawarid al-Fiqh. Donc, Qawarid al-Fiqh, ça c'est un livre en vers de poésie qui rassemble, donc c'est autre qu'Usul al-Fiqh, c'est un livre qui rassemble les règles principales dans le fiqh. Donc ça, c'est le livre de Abu Bakr al-Ardal al-Yamanil al-Shafiri. Donc c'est un savant shafirite qui s'appelle Ardal dans l'école Shafiri. Mais comme vous le savez, pour ceux qui ont dit dans le fiqh, il y a beaucoup de fondements communs entre l'école shafirite et malikite. C'est pour ça que parmi les livres qu'on a pris également dans Usul al-Fiqh, il y a le livre de al-Qazwini. Donc le livre plutôt de Shirazi al-Lumar. Et également le livre connu qui est Al-Waraqat de l'imam des deux Haramain al-Juwayni, Muhammad al-Juwayni, qui a été expliqué par Al-Khattab al-Maliki, par le savant malikite Al-Khattab. Donc j'ai pris également dans des explications qui sont relatives également au fiqh malikite. Également, bah, comme on a vu dans le Nourashir, alors la Taliqati al-Junayd al-Saliki, donc j'ai pris un peu aussi dans la science du soufisme. Donc dans le livre qu'on appelle Suluk Adab al-Murid, donc c'est un livre manuscrit qui est connu au Yémen. Et donc ce livre-là, je trouve la couverture est là. Donc c'est le livre de l'imam du Cheikh, Qutb al-Darwa al-Irshad, Al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad, d'accord, Al-Hadrami al-Shafiri. Donc c'est un livre connu dans le soufisme, un livre manuscrit. Et d'autres ouvrages également. Aussi dans la croyance, j'ai pris le livre Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa, qui est parmi les plus grands savants du salaf connu, qui est celui qui est né en 80 de l'Hégire et qui a rencontré certains compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Et après, il y a d'autres ouvrages qu'on ne pourra pas tout détailler ici, mais globalement, on a fait un peu le tour des différentes sciences. J'ai pris un petit peu dans le fiqh hanafite, mais principalement, comme je voulais exposer, surtout dans le fiqh malikite et shafirite. Et après, dans Usul al-Fiqh, ça rassemble un peu le fiqh malikite et shafirite concernant al-usul et la science du hadith. Il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai pris, sont des ouvrages de savants malikites également. Et après, ça, c'est des fondements dans la religion qui sont plus ou moins communs à tous les madhabs, à toutes les écoles, comme également le livre de croyance. Même si Abu Hanifa, donc c'est l'école Hanafite, également Aqidat Tahawiyya, c'est Hanafite, mais c'est des jugements et des croyances qui sont communes à tous les grands savants du Salaf. C'est juste la manière de rédiger qui pourrait différer, comme également Ibn Rushd, comme je disais tout à l'heure. C'est parmi les livres qu'on a pris, et dans le matin, il y a le sujet de la croyance, et donc j'ai pris avec le commentaire aussi, bien sûr. Et donc, comme il l'a dit, Fi'aqdi al-Ash'ari, d'accord, c'est selon la croyance, al-raqad de al-Ash'ari, wa fiqh maliki, mais dans le fiqh, c'est dans l'école de l'imam Malik. Voilà, ça c'est une partie de ce que j'ai eu la chance d'étudier pendant 15 ans, d'accord. J'ai étudié la religion pendant 15 ans, et ça fait à peu près une dizaine d'années également que je donne des cours, et c'est par souci de transmettre la vraie science de la religion en français, parce qu'il y a beaucoup de choses où des gens disent n'importe quoi en français dans la religion, surtout sur Internet, et c'est important de se référer aux vrais ouvrages de référence qui sont connus dans le monde musulman. Et ça, si vous demandez, même si vous êtes dans des pays musulmans, vous connaissez sûrement ces ouvrages, que ce soit en langue arabe, en tafsir, en fiqh, en nahw, etc. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse persévérer sur la bonne compréhension de la religion, sur l'enseignement par recherche de son agrément, et qu'il fasse que nos intentions soient sincères. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse pas que le bas monde soit notre plus grand souci, ni qu'il soit l'objectif de notre apprentissage. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا يا من تريد.